Si la ville de Nantes doit une partie de sa renommée au football, c'est un tout autre match qui est actuellement engagé depuis un mois autour du nouveau stade de la Beaujoire. Une partie acharnée entre la municipalité nantaise et le groupement d'entreprises chargé de la réalisation qui s'oppose sur un problème bien sûr pécuniaire puisqu'il s'agit du financement de l'énorme construction. Pour l'instant, le score est encore nul. Aucune des équipes n'a accepté de céder à la pression de l'autre. Et une nouvelle fois hier soir, à l'occasion du conseil municipal, Michel Chauty a refusé d'accorder les 45 millions de francs supplémentaires demandés par le groupement. Mais pourquoi un tel dépassement de l'ardoise qui atteint ainsi 62% de plus que le devis initial? Eh bien, tout simplement, pour être prêt à accueillir le 28 mars prochain le match amical France-Autriche organisé par la Fédération française de football. Une inauguration qui intervient en quelque sorte prématurément pour les constructeurs qui, à l'origine, ne devaient livrer le stade qu'en juin pour le début de la Coupe d'Europe des Nations, organisée cette fois-ci par la France. Après un léger effort, ils avaient néanmoins accepté d'accélérer la construction si une contrepartie financière leur était accordée. Or, devant le refus de l'équipe municipale, les autres partenaires estiment que les règles du jeu ne sont pas respectées. Par conséquent, pour raisons économiques, les travaux sont ralentis. En tout cas, une chose est sûre, si cette épreuve de force se poursuit, le perdant du match risque tout simplement d'être le spectateur. Car si le stade n'est pas prêt à temps, France-Autriche se jouera ailleurs. Et pour cela, le Conseil fédéral chargé de l'organisation commencera à chercher dès vendredi prochain, à l'occasion d'une réunion, un éventuel stade de remplacement.